Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. Donc bras de fer un peu spécial vu qu'on est dans un combat de boss. En effet, aujourd'hui on ne jouera pas les héros habituels qu'on a l'habitude de voir du coup, mais Kel'Thuzad ou Rafam du coup qui vont s'affronter dans un combat assez difficile pour savoir lequel domine. Estimé que ça va peut-être être Rafam, vu que Kel'Thuzad il va être un peu supprimé entre guillemets du jeu avec tous les changements sur Hearthstone qui vont arriver, le standard et tout, donc Naxxramas qui ne sera plus à faire, et donc Kel'Thuzad qui prendra sa retraite bientôt sur Hearthstone. Donc on va partir directement donc en bras de fer à la recherche d'un adversaire. On va jouer, essayer de jouer Rafam et Kel'Thuzad pour vous montrer un peu les deux gameplays en fonction. Du champion. Alors, qui allons-nous jouer? Rafam? Kel'Thuzad? La grande question. Et si nous tombons donc sur Rafam contre Lupotetro qui joue Kel'Thuzad. Alors, forcément, du coup, si je joue Rafam, mon adversaire jouera Kel'Thuzad. Du coup, dans la main, nous avons Flame Strike, Ensevelir, Gardienne d'Uldamal et Grève abandonnée de Lothar. Donc les Grèves abandonnées de Lothar qui fait 3 de dégâts à tous les adversaires incluant le héros. Hein. Donc c'est table plus héros. Ça peut être pas mal, sachant qu'en early game, KT, enfin la personne jouant KT peut avoir des Mad Scientist et des Rampantantés, enfin des Savants Fous et des Rampantantés qui ont tous les deux points de vie. On peut garder la Gardienne d'Uldaman. Flame Strike et Ensevelir, je vais sûrement les enlever parce que c'est un peu late. Les Grèves abandonnées de Lothar, je pense que je vais les enlever également. Gardienne d'Uldaman, je sais pas. Je pourrais la garder. Non, je pense que je l'enlève aussi. Là, je voudrais bien avoir mes T2 en fait. En early game, voilà. Bah, comme ça. Les Archers ondulants, du coup, qui ont le même effet que les Grèves de Lothar. Si je les avais gardés, ça aurait fait beaucoup de cartes pour une même situation, ça aurait pas été intéressant. Ah, là, j'ai déjà quasiment que des removals dans ma main, enfin des anti-bêtes. Ils vont voir ce Hop, très qu'ils bien. vont Donc là, j'ai voir. Archer ondulant. Du coup, je vais en jouer un pour tuer le savant fou. Donc là, forcément, il y a un secret qui va pop. Donc en secret, il a contre-sort, vaporisation et dupliqué. Là, on espère que ce soit. Et on va essayer le contre-sort quand même. Ma pièce. Du coup, c'est relou que ce soit pas un contre-sort. Parce que j'aurais bien voulu. J'aurais voulu que ce soit un contre-sort. Du coup, que j'ai 3 de mana pour jouer et non 4. Et du coup, je jouais le découvrir un morceau de bâton. Mais là, ça me force à jouer le Merci. pilleur de tombe. Je vais taper le savant fou au cas où que ce soit une vaporisation et non c'était un dupliqué. Du coup il récupère deux savants fous dans la main, plus un nouveau secret qu'il avait dans son deck, vu qu'un nouveau savant fou est mort. Celui-là c'est soit contre-sort, Les damnés se tiennent prêts. soit, qu'est-ce que j'ai dit, contre-sort ou vaporisation. Hop. Ou deuxième dupliqué. Il semblait qu'il n'y en avait qu'un de chaque dans le deck, mais apparemment il y en a deux. Là dans la main, il a 200 sectateurs et 2 Mad Scientist. Et c'est pas foufou pour moi. Du coup, là, il a plus de secret. Du coup, je peux gratuitement, on va dire, upgrade mon pouvoir héroïque. Enfin, l'upgrade gratuitement, je veux dire, parce qu'il n'a pas de contre-sort, j'en suis certain. Et du coup, je peux le faire sans avoir peur de me le faire contrer. Donc maintenant, mon contre-sort qui est un peu. Enfin, qui a l'effet d'un portail instable, un peu moins bien, vu qu'il coûte 2 et qui réduit le coût en mana de la créature de 2, alors que le portail instable coûte 2 et réduit le coût en mana de 3. Bon, ça, c'est la seule différence, mais Les ça reste damnés quand même se un tiennent très prêts. bon pouvoir héroïque. Ils vont voir ce qu'ils Bien. vont voir. Donc là, il fait savant fou plus. Savant fou plus. Voilà. Sombre sectateur, voilà, on y arrive. Du coup, on va. Nombre de matière noire, le matériel piste. Il n'y a aucun secret qui pop. C'est nickel.
On va fiole de. On va fiole de putre skin. Ouais, de. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. Putre saint. Pour détruire le sombre sectateur, on le fait pas le mode longue douleur parce qu'on aura des cibles plus intéressantes à mode longue douleur. Et comme la fiole c'est aléatoire, là il avait qu'une créature, du coup on était sûr de la tuer. Alors que dans une autre situation, le mode longue douleur sera plus avantageux. Et en plus, on économise 2 de mana, ce qui fait qu'on peut derrière jouer le sinistre colporteur. On va jouer tout de suite. On va prendre le diablotin de sang qu'on va jouer et on va taper face du coup avec le pilleur de tombe. Et on commence à entamer les points d'armure de KT. Donc Kel'Thuzad que quand on commence à 30 points de vie et 30 points d'armure, tandis que Rafam, donc moi-même, j'ai 60 points de vie. Ce qui revient partiellement au même, à part que lui s'est divisé en armure et vie. Donc ce sont un peu roleplay par rapport à l'extension à Naxxramas, vu que dans Naxxramas, Kel'Thuzad a de l'armure. Et pas Rafam. Que va-t-il nous jouer pour 6 points de mana? La question. Donc là, on a encore de l'anti-bête, c'est pas mal. On a un bon board. De mémoire, je crois pas qu'il ait quelque chose pour nous gérer notre board aussi facilement. Bien, Grobulus. Ouf. Voilà. Et du coup, Grobulus, une 4-7 qui fait qu'à chaque fois qu'il détruit un de mes serviteurs, il invoque une gelée empoisonnée 2-2. Du coup, pour ce faire, on va. Enfin, pour le tuer sans avoir de pertes, à part la créature pour qu'on va trade, on va mettre le pilleur de tombe dedans. Et on va jouer l'archer ondulant. Donc, il fait 2 points de dégâts aux créatures adverses. Du coup, on peut tuer les deux gratuitement. On a juste perdu le pilleur de tombe, ce qui n'est pas un gros souci. On va pouvoir héroïque pour récupérer donc un gangre canon. Donc qu'on va jouer en espérant qu'il ne nous tue pas. Ouais, c'était très bête. Il me semblait qu'il pouvait face. Je suis trompé, du coup il va tuer une de nos créatures. Eh bien, c'est une de nos 2-2. J'ai pas réfléchi sur le coup, j'ai joué le gangre canon pour rien. Enfin après je perds 2 de dégâts et j'en gagne 3, donc c'est. Les Pas damnés si se mal tiennent prêts. finalement. C'est un petit peu chiant. Bien que on puisse Damnaja, on peut Shadow World Pain, le sombre sectateur, ça va trigger son effet sur Saphiron. Mais on s'en fiche parce qu'on vient de jouer Damnajar, donc qui est une créature qui fait qu'à la fin de mon tour, toutes les créatures sur le board, à part Damnajar, sont remplacées par une autre créature qui coûte 1 de plus. Du coup, Saphiron, qui a plus 3 PV du Sombre Sectateur en râle d'agonie, et ben, comme ce serait une créature à 6, ne l'aura plus. Du coup, ça ne me coûte rien de tuer le Sombre Sectateur. Du coup, là, on va face et on va attendre l'effet donc de Damnajar. Qu'une cascade va dérouler sur le board. Dommage que le gangre canon ait encore tué une de mes créatures. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai un taunt. C'est le mieux que. Enfin, c'est ce dont je pouvais rêver. Parce que comme ça, il peut pas venir tuer ma Dame Najar. Et qui va me faire pas mal snowball, je pense. Car tant que j'ai plus de créatures sur le board que lui, ma Dame Najar est rentable. Espérant que je garde le contrôle de board. Du coup, là, il joue écuyer et il a ressuscité avec son pouvoir héroïque Grobulus. C'est extrêmement embêtant. On va faire avec. Ah, donc là, on va améliorer notre pouvoir héroïque. Il va créer un token avec l'enseignant Je pourpre. suis là pour apprendre. Là, on peut. Notre pouvoir héroïque. Il semble que c'est la forme finale du pouvoir héroïque là. Ajoute un serviteur aléatoire dans la main et qui coûte 4 cristaux de moins. Du coup, on va l'utiliser. Rends main noire. J'ai pas de dragon dans la main, mais je vais quand même la jouer parce que ça activera l'effet de Dame Najar. Ça me fera une grosse créature sur board. Hop. On va mettre. Ouais, je lisais l'effet de Grobulus pour savoir si c'était quand Grobulus tuait une créature ou si n'importe lequel de ces créatures en tue une.
Du coup, je vais mettre ma 3-2 dans la 5-2. Ma 3-5 dans la 2-2. La 5-5 face et je vais passer mon tour. Voilà, comme ça, il y a Dame Najar qui va upgrade mes créatures. Donc là, j'ai encore un taunt. Bon, pas le meilleur. Mais pour l'instant, on a Dame Najar. Dame l'a tué. Mais j'imagine qu'il l'aurait fait avant de jouer Gothic. Enfin, c'est bête. Sinon, il endommagerait Gothic et son Crash Vase pour rien. Du coup, j'imagine qu'il va mettre la 4-4 Ice. C'est extrêmement bizarre. Bon, what? Du coup, là, on va pouvoir héroïque. On va essayer de l'assaillir de légendaire et de l'épuiser comme ça. Du coup, on récupère Alakir. Alakir, c'est pas mauvais. Alakir, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ok, donc. Je réfléchis, c'est embêtant là la situation dans laquelle je suis. Quoique. Non, quoique je peux faire comme ça. Parce que je jouais toujours autour de Dame Najar pour toujours pour essayer de snowball sur le board grâce à elle. Du coup, comment faire un trade favorable? Donc on va mettre 5-4 dans 4-4. On va mettre Alakir dans le Crash Vase. On va mettre la 9-3, le chien du magma dans la 1-2 et Alakir dans la 5-2. On va vite face avec Dame Najar avant qu'on ait la fin du timer. Et voilà, et du coup il nous restait deux créatures à la fin vu que Gothic le moissonneur qu'on a tué a un râle d'agonie qui fait qu'il nous invoque un Gothic spectral pour nous. Du coup ça nous fait une créature en plus sur le board et du coup ça active l'effet de Dame Najar, donc ce qui est 100% rentable pour nous. Du coup, il a ici deux secrets, sachant qu'il a joué deux dupliqués dans le deck et qu'il a dupliqué contresort vaporisation. Il a donc là forcément un contresort et une vaporisation. Là, on a Aviana, c'est vraiment pas mal. En plus, ça va bien s'activer avec Dame Najar en effet. Donc là, on va jouer toutes nos créatures afin d'avoir un board complet avec Dame Najar. Là, c'est la concession de notre adversaire parce qu'il a pu remarquer... qu'il se faisait juste le snowball et qu'il avait aucun moyen de revenir vu que Dame Najar faisait énormément de cœur d'advantage dans la partie. Petite victoire de Rafam, on va essayer d'en faire une en Kel'Thuzad pour vous montrer un peu les différentes cartes auxquelles on aurait face. Hop, donc c'est parti, on trouve un adversaire, espérons que soyons Kel'Thuzad. Et surprise. Nous sommes Kel'Thuzad. Ah, il est vraiment bien fait ce jeu quand même. Hein. Pas de la chance. Donc là, on est parti. Nous sommes Kel'Thuzad et nous jouons contre Rafam, le célèbre archéologue. Et donc, dans la main, nous avons Glut, Sombre Sectateur, Egan l'Impur. Pas mal, pas mal, pas mal. Je sais pas si j'ai beaucoup de tour 2 dans le deck. Je crois que j'ai que les savants fous et les rampants tentés. J'ai aussi les Frostbolt. Mais c'est pas un souci. Je pense que je vais tout garder. Non, je vais enlever et gagne l'impur. Moi, je sais pas. Les Peddler et tout, Egan est mieux. Ouais, Egan est mieux que Sombre Sectateur, du coup je vais le garder. Et je vais garder Glut aussi parce que ça me fait un bon tour 4 pour enchaîner derrière Egan. Je vais faire pas mal de cartes advantage. Bon, du coup là j'ai une bonne curve. Le souci c'est que je vais devoir lui laisser jouer 2 tours gratuitement si je top deck rien le prochain tour. Ah, il vient de piocher un tour 1. Ça m'étonne parce que j'ai pas mémoire d'avoir des tours 1 dans. Dans le deck de Rafam, c'est pour ça que ça me paraît étonnant. Peut-être qu'il lisait la carte uniquement. Alors, que va-t-il nous jouer? Et il y a... Alors.
pense juste qu'il est en train de lire les cartes. Peut-être que commence le bras de fer qu'il en a pas encore fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on joue avec des nouvelles cartes avec lesquelles on n'a pas l'habitude, du coup c'est pas évident pour les jouer. Très bien, donc là il me joue un tour 2, j'imagine le sinistre Vous colporteur. achetez, vous Bien. vendez. Donc le sinistre colporteur. J'imagine que si pièce T1 pour mettre un T2, ça veut vouloir dire qu'il est un autre T2 dans la main. Pas un grand souci. Bon, du coup, là, en fin de tour, notre pouvoir héroïque nous sert à rien vu qu'on n'a pas d'allié qui a été, enfin, de monstre qui est déjà mort pour nous. Du coup, il ne ressusciterait rien. Le prochain tour, on a Egan. Hop, bien. Donc là, il joue rien. C'est bien comme ça, il pourra pas tuer mon Egan l'impur le prochain tour. Hop, du coup, on le joue une petite 4-5. On espère qu'il tue le sombre spectateur, ça serait le mieux. Voilà, facile. Vraiment un bon jeu vidéo quand même. Donc voilà, donc là on a une 4-5. Lui il a rien sur le board, il a 3 de mana pour gérer une 4-5. Sinon il va prendre 4 points de dégâts à chaque fois dans la tête ou sur ses créatures. Donc là il amplifie son pouvoir héroïque, ça veut dire que là il va prendre au moins 12 points de dégâts de Mohegan. Les 4 points que j'ai mis sur le sinistre colporteur, les 4 face que je vais lui mettre en attaquant et les re-4 face grâce à l'effet d'Egan. Du coup, là, on pourrait jouer Glut, ce qui était prévu au début de la partie, hein, d'enchaîner, de faire Egan, Glut, into Crash Vase ou Stalag. Mais là, on va jouer la Faerlina, la grande veuve Faerlina, vu qu'il a 7 cartes dans la main. Et du coup, je pense que le prochain tour, elle sera 6-5, 5-5, 7-5, ce qui me permettra de faire un bon trade et qu'elle fasse énormément de dégâts. Donc là, Mohegan l'impur qui met 8 points de dégâts dans le tour, donc 4 points d'attaque et encore 4 à la fin du tour. Pour l'instant, Egan qui fait du bon boulot, surtout qu'il a snipé le sinistre colporteur tout à l'heure. Donc là, faut qu'il se débarrasse du maximum de cartes, parce que Faerlina, donc boss de Naxxramas, hein, il me semble que c'est le dernier boss, le premier de la première aile, l'aile avec Maexna. Et du coup, qui a plus 1 d'attaque pour chaque carte dans la main de l'adversaire. Voilà, donc là, son but, ça va être d'enlever toutes ses cartes de sa main. Bon, pas de chance, il avait l'éclat de Sulfuras, du coup, qui fait 5 points de dégâts à tout le monde. Bah, un peu comme le réveil d'Izera, pour faire un comparatif. Et du coup, comme mes créatures avaient 5 points d'attaque, bah, forcément, elles sont décédées. Pas de chance. Du coup, là, on peut curver Crash Vase. Crash Vase, c'est bien contre un Croc Zombie. Mais je pense que je vais plutôt utiliser mon pouvoir héroïque et faire un dupliqué. Sachant que j'ai que Faerlina et Egan qui sont morts. Je voudrais que mon pouvoir héroïque me ressuscite Egan, qui serait le mieux, et que Egan tue avec son effet le Croc Zombie. Ça serait vraiment parfait. Bon, on a la première partie du plan, donc là on va dupliquer. La deuxième partie, du coup, c'est que Egan tue le croc zombie. Magie. Nice. Franchement, c'est excellent jeu, hein. Depuis le début de cette partie, je le répète, c'est vraiment très bien fait, hein. J'ai tout pour moi dans cette partie, je ne suis pas à plaindre. Donc là, j'ai un dupliqué s'il me tue Egan. Dupliqué qui scale très bien sur ce tour-ci, parce que s'il me le tue, justement, prochain tour, j'ai 6 points de mana, du coup, je peux jouer double Egan l'impur et lui faire 8 points de dégâts. Donc encore avec son effet. Après, je pourrais également faire Glut pouvoir héroïque. Je ressusciterai forcément un Egan ou une Faerlina, vu qu'il n'y a toujours que ces deux créatures qui sont mortes. Il me fait une corruption, ce qui fait que quand je passerai mon tour, Egan décédera. Et comme ce sera sur son tour, mon dupliqué va s'activer, ce qui est une très bonne nouvelle. Là, on va jouer Glut, pouvoir héroïque, en espérant que ça invoque un nouveau Egan. Voilà, parfait. C'est vraiment bien. Du coup, là, je lui remets 8 points de dégâts dans la tête avec les effets des deux Egan, plus 4 de l'attaque de Egan l'impur. Et Glut qui invoque un mort-vivant. Donc voilà, donc les morts-vivants, c'est dans tout Hearthstone, il y en a pas mal. Ça va du Croc Zombie en passant par Talnos, en passant par le Vaillant Fossoyeuse. Le Fossoyeur, le Savant Fou, tout ça c'est des. Ce sont des morts-vivants du coup. Donc là il fait Archer Ondulant, donc ça fait 2 points de dégâts à toutes nos créatures.
une espèce de consécration pour 0 de mana et qui fait 3 à toute ma table plus moi-même, donc Kel'Thuzad. Mon héros, donc là il a pu me clean tout mon board. Ensuite, que va-t-il faire? Aspirant d'or Grimar. Bien, ça lui sert pas à grand chose vu qu'il a pas d'armes. Enfin, ça, au moins ça lui crée du board. Du coup, là je pourrais jouer mes deux Aegon l'impur. Le souci avec ce play, c'est que si sur l'œuf de Nérubien, bah, ça lui fait pop une 4-4. Et moi, ça ne m'arrange pas trop. Je Dame Blomo ou je double Aegon? À la limite, non, je pense que je vais Dame Blomo et Aegon. Je pense que je vais Dame Blomo et Aegon. C'est plus dans la curve et ça va me faire 3 créatures au lieu de 2. Et ça me donne moins de chances de tuer l'œuf de Nérubien. J'aurai une chance sur 4 au lieu d'avoir une chance sur 2 que si j'avais posé double Aegon. Hop. Et du coup, on va faire ça. On va faire Dame Blomo et Aegon. Enfin, Blomeux, pas Blomo, pardon. Parler donc Dame Blomeu qui m'invoque une 1-5 qui fait que Dame Blomeu est insensible. Donc comme ça, avant de tuer ma 2-7, il devra tuer la 1-5. Par tous les moyens. Donc là, c'était le mieux. Donc Aegon l'impur hein, qui snipe vraiment toutes les créatures depuis le début de la partie. C'est incroyable. Hein. Il a fait les meilleurs strikes, si l'on peut dire. Vu que là, il y avait une 3-3, une 2-2, une 0-2. La 0-2, c'était la pire. La 2-2, c'était pas mal. Et la 3-3, c'était la meilleure. Face, c'était pas bien non plus. C'était pas intéressant. Je préférerais gérer du board. Là, c'est excellent ce qu'il nous fait. Aegon l'impur qui fait vraiment du beau boulot. Donc là, l'élémentaire de feu, du coup, il le met sur Aegon. Il va pouvoir finir le trade avec la 2-2. Enfin, j'imagine qu'il va faire ça. Là, il va pouvoir héroïque. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Non, il a un sort à mettre dessus. Peut-être une Dark Bomb. Une torche oubliée, très bien. Du coup, avec sa 2-2, il va aller face. Ah oui, non, d'accord, il est trade. Ça avait pas trop de sens, finalement. Il a fait... du coup, là, on pourrait faire Appel des Ténèbres. Ce serait curvé. Et ça ferait pop 2 légendaires sur le terrain. Mais je suis pas fan. Je préfère gérer sa créature. Du coup, je vais... Comment ça s'appelle? Je vais tuer l'élémentaire de feu avec le poison nécrotique. Donc une carte à 2 qui détruit n'importe quel serviteur adverse. Je vais faire un ressuscité. Et si c'est Aegon, je vais jouer le deuxième Aegon. Pas de chance, c'est le Vaillant Fossoyeuse. Là, avec notre 1-3, on trade la 2-1. On va pas jouer Aegon, du coup on va jouer Anubrekan et on va taper Face. Là on va pas activer l'œuf parce qu'on n'a pas de raison de le faire. On n'avait rien pour finir de trade l'œuf si on le tapait avec la 2-7. À part un random Aegon mais qui aurait pu mal tourner. Donc on fait comme ça, on met un petit Anubrekan, ça met un peu plus de pression. Il utilise un mot de lampe mort, donc 3 de mana pour le gérer, c'est pas mal. Comme ça il a plus que 5 de mana pour jouer. Là on est assez safe, enfin assez safe entre guillemets. Donc là il a encore amélioré son pouvoir héroïque niveau 3. Donc là chaque fois qu'il utilise pour 2 de mana, ça ajoute un serviteur aléatoire légendaire dans la main et qui coûte 4 cristaux de moins. Donc ça faut faire attention parce que il peut vraiment snowball avec ça. Ça va falloir essayer de le tuer rapidement. Donc là on va faire l'appel des Ténèbres, quoique c'est pas très curvé hein, l'appel des ténèbres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est mieux. Ouais, on va pas faire l'appel des ténèbres parce qu'on est out of curve, enfin on est pas dans la curve de mana. On va plutôt faire Aegon, Nécromancie, donc le pouvoir héroïque, qui invoque un nouvel Aegon, donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. On va mettre une rampante, on va pas mettre la deuxième. Pourquoi? Parce que s'il tue notre rampante, on perdra un repop, vu qu'on n'aura plus la place sur le board. Et comme ça, avoir 6 créatures et pas 7, ça nous permet de jouer de nouvelles créatures le prochain tour et de ne pas en perdre. Donc là, vu qu'on a double Aegon, on va trade avec la 2-7 dans l'œuf de Nérubien. Elle est face avec les deux autres. Et là, on se dit, bon, 2 Aegon, j'ai 2 fois 4 de dégâts qui vont partir. J'ai plus de 50% de chance que ça tue la 4-4. Du coup, c'est pour ça que là, je me permets de trade l'œuf. Et
Et ça se passe pas du tout comme ça. Bon, Egan m'a déçu un tour, mais bon, comme il m'a ravi pendant déjà 3-4 tours auparavant, je ne lui en veux pas, c'est pas un souci. Ça fait 8 de dégâts face. Mon choc de flamme. Bon, là, il a géré qu'une seule créature avec le choc de flamme. Donc, c'est vraiment un flame strike pas rentable pour lui. Il a enlevé 0 de dégâts parce qu'il m'a tué une 1-1. Et une 1-2, et ça a été remplacé par 2-1-1. Du coup, il a enlevé 2 points de dégâts et rajouté 2 points de dégâts avec le Flame Strike. Du coup, c'est pas rentable. Avec sa 4-4, il vient trade une 4-1. Du coup, j'ai l'avantage dans ce trade. Hein. C'est vraiment un avantage pour moi. Et j'ai encore le contrôle du board. Et là, du coup, je vais peut-être avoir un létal. Du coup, on fait l'appel des ténèbres. Donc, qui invoque deux légendaires. Saphiron, qui au début de mon tour gèle un serviteur adverse. Et note le porte-peste qui, à chaque fois qu'un serviteur adverse meurt, invoque un squelette de 1 et donne 1-1 à tous mes autres serviteurs. Bon, ça a l'air assez violent cette carte. On va voir comment ça se passe quand on va tuer un serviteur, à moins qu'il concède auparavant. Là, on peut se permettre de nécromancie parce qu'on a beaucoup de créatures à 1. Du coup, elles sont tuables assez facilement. Et en plus, on chope un Egan. Du coup, ça fait 8 de dégâts de plus. Et du coup, il n'est plus qu'à 5 points de vie. Et on a l'étal le prochain tour. Sauf s'il gère toutes mes créatures. Donc, j'ai 50 points de vie. Je suis vraiment safe. J'ai perdu 10 points de vie dans la partie. C'est pas un gros souci. Donc là, il joue Nozdormu pour le trollolo. Vu qu'il sait qu'il a perdu. Et c'est la victoire. J'imagine qu'il va concéder. Non, il concède pas. Du coup, pour le fun, on va tuer Nozdormu juste pour voir l'effet de Note le porte-peste. Ah, j'aurais pu poser le deuxième, j'avais pas vu que je t'avais pioché. Donc voilà, ça invoque un squelette et ça donne plus 1 à tout notre board. Donc là, on fait un nécromancie et on va le tuer avec Egan hein, qui a vraiment fait un boulot monstrueux sur cette partie, qui a bien dû apporter au moins 30 points de dégâts facilement, donc au moins la moitié de ses points de vie. Et du coup, c'est la victoire à l'explosion de Rafam. Donc la domination de Kel'Thuzad sur cette partie. Donc la dernière fois, on a joué Rafam et nous avons gagné. Donc voilà, donc bras de fer bien sympa, hein, vu qu'il nous fait jouer avec des cartes différentes de ce avec quoi on a l'habitude de jouer, hein. J'aime vraiment beaucoup les bras de fer originaux où on n'a pas à faire nous notre propre deck, comme ça évite les déséquilibres parce que telle personne a 50 légendaires et que telle personne n'en a pas en fonction des collections, enfin de ce qu'on a dans la bibliothèque, ça peut être déséquilibré. Donc voilà, c'était tout pour le bras de fer. Donc c'était Trimano pour Ivasund. Et suivez-nous un peu partout. Il y a tous les liens dans la description. Donc YouTube, Steam, Facebook, Twitter. On est partout. N'hésitez pas, il ne suffit que d'un clic. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer.